romance and miserable friends. When visual lyrics will prove my cliche in a miserable three-face cylindrical style in one dimension, he says, kill it if you haven't yet caught on. Now, oxymorons, this is Jin Grimes, the type to swallow knives and drop the sharpest shit to advance for modern minds. So hush wide, stare hard, bare scars, wear art, rare art, fossilized air parts. I get lost and don't care. On se pèle les couilles. Ah, ça, pour se pèler les couilles, on se pèle les couilles. Cool. Attendez, parce qu'il y a de la neige. Il y a du gel partout, ça glisse, c'est terrible. On se pèle les couilles, je crois qu'il fait moins 22. Jamais aussi froid de ma vie, je peux vous le dire. Je regrette pas d'être venu pour planter une graine. Une graine, écoutez, c'est quand même assez difficile, la terre. La terre est rude, la terre est dure. On se pèle un peu, mais on rigole quand même. C'est ça qui est important. Retrouvez votre film, Dominic. Dominic. Film d'homme à d'homme. Avec que des dômes et neck. Dômes et neck. c'est super titre. Plus ultra. Je suis content, les dômes et neck, ça me plaît bien, qui m'appelle de toute façon. Ouais, merci pour Dominic. C'est ça. Dominic. Je vois pas ce qu'il va foutre cette chanson pendant le sérieux, il faudra qu'on me prévienne quand même, les amis, de savoir qui fait les montages ici. Hein. Deuxième mi-temps de l'équipe de France. Ouais, il court comment, ils sont... Face à l'Ukraine. Pourtant, c'est bizarre. Quoi qu'on pense ou quoi qu'on craigne, on était qualifiés. 2-1 pour les Français. On est qualifiés. 2-1 pour les Français. Eh bien, à la seconde mi-temps n'a pas encore débuté que Raymond se pèle grave et que nous allons remercier la chorale qui vous a tenu compagnie pendant ces quelques petits instants. On va laisser finir son morceau. On est qualifié, ce morceau qui marquera certainement l'hiver. Comment faire disparaître cette arme ? Merci. Ce morceau ne passera pas l'hiver. C'est la liesse. Eh bien, c'est les applaudissements de nombreux et fournis que redémarre ce match. Bravo, voilà. Les amis. Bravo, merci, les petits amis. Très belle mission. C'est bon. Non, c'est bon, hein. Je sais qu'on est sur TF1, que le niveau n'est pas toujours très haut, voire, pour ne pas dire, plus bas. C'est trop facile. Je m'inscris en faux. Cette chaîne restera certainement comme la plus grande chaîne de télévision européenne. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Oui, je me le demande aussi. Vous qui avez tant souffert des problèmes du bâtiment. Oh, goal, goal. Non, si, goal, oh là là. Goal, alors lui, goal, lui, alors lui, goal, Samy Frey, là, il est pas goal, bien. Goal, goal, deux buts, goal, deux corps, deux buts. Goal, 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 goal. Je dis là même mieux, égalisation. Goal, goal. Eh bien oui, l'Ukraine sur une seconde bourde, ouais, du portier français qui râlait parce qu'il n'avait pas l'occasion de montrer son savoir-faire. Je pense que cette fois-ci, il a compris. Il va demander la naturalisation italienne. Je il aura une aussi chance de jouer. Carte jeune. Et on revoit sa grosse bourde, sa fève énorme. Oh là, où était-il passé? Qu'en est-il de sa carrière? Raccourci, peut-être. Sûrement. Comment faire disparaître cet arbre? Il faudrait le brûler. C'est un peu la question que va se poser ce gardien pendant les longues nuits qui vont peupler son hiver à lui. Qui va durer très longtemps. Un sombre futur. Et heureusement, bon, il peut dans son malheur se dire que ce match n'est pas qualificatif finalement, puisque tout est joué. Mais quand même, pour son image et pour la marque de gants qui le sponsorise, c'est pas terrible. C'est vrai. Pardon. C'est l'heure, hein, visiblement. C'est l'heure du jeu. Il est 8h. Ah non, Jacques, j'ai un peu plus, moi. Pardon. Ouais. Ne t'excuse pas. On réécoute la pendule. Il est 21h42. Ah, bien, là, c'est mieux. C'est elle qui était déréglée. Et sur la pelouse, l'Ukraine qui vient de créer la sensation avec Moutoun.
Oui, c'est vrai, quoi. Elle a été, la elle sans été... action, oui, plutôt. Je crois bien. C'est vrai, la sans action. La sans action. C'est très joli comme formule. C'est peut-être le titre de demain. Je ne sais pas si on a les journaux. Tout de suite, les journaux. Ah, c'est envolé. Oh, le pigeon. Ça continue avec la basse-cour. C'est le festivolaille en ce moment, bien évidemment. Et ça sera le cas exactement à telle date. Merci, mon poulet. Ah, je prends ma plus belle plume et je vous écris un topo. Sur la pelouse, bien évidemment, ouais, maintenant, ouais, c'est oui. La somnolence totale. Si, hein, non, mais de deux, ça nous rappelle des Bulgarie-France, des Danemark-Algérie, Angleterre Liechtenstein. Oui, effectivement, ce furent de grands, grands matchs, mais celui-ci va être marqué par quelque chose de terrible. Des piques joutes. Je ne sais pas quel patois parle Jacques, parfois. Je suis assez surpris par sa polyglottie. Galopante. Okay. Il est là, hein, il est là. Don't forget Jackie tonight. Yes. Oh, thank you to present me like that. I'm very, very happy to meet you today. Tonight, I love you. Fine. T'es superbe. On revoit ce but de Chechenkov. Oh, quelle terrible déconvenue pour le gardien français. Ouais, attention, monsieur, transport en commun là, qui demande à tout le monde de descendre du train. Enfin, il essaie de rééquilibrer, effectivement. Il dit, je vais essayer de partir, mais je ne peux pas vous prévenir quand, sinon ça va être la pagaille. Donc, je partirai quand je le voudrai. On écoute ce morceau, je partirai quand je le voudrai. Tout de suite. Ah, c'est super. Alors, on va faire un petit coucou pour les Ukrainiens. Voilà, c'était la tête de coucou. Du coup, le portier tricolore est tellement peu en confiance qu'il ne sort même plus, Jacques. Hein, ça n'a pas passé. il ne sort plus, non. Collé sur sa ligne. Je pense qu'il va rester scotché, même. Peut-être rester en Ukraine. Qui sas. Il va demander l'asile politique, mais sans les prévenus. Le ballon est là-bas, sur la gauche, pour l'équipe de France, avec Ribéry qui ne parvient pas. Non. Si ce n'est peut-être obtenir un corner, non. On dit monsieur transport en commun qui préfère continuer sa route plutôt que de s'arrêter. Bien sûr. On ne sait jamais. Bien sûr, nous ne nous arrêtons plus maintenant. Ah, continuons de bouffer la planète, de progresser, de croître, et éliminer, bien sûr, le minéral, le végétal. Allons-y, à pleine main, à pleine bouffée. Allons-y, viva la pollution. Allons-y. Ça va ton la flore. Consommons, que c'est bon. Déchirons la flore. Pourrissons la planète. Yes. Le ballon est pour les Ukrainiens sur le côté gauche de la surface de réparation. Ils préfèrent la laisser filer un petit peu pour se retourner et avoir le temps de noyer un partenaire. Ils jouent intelligemment bien. Je vous rappelle qu'ils sont en milieu de deux. Les Ukrainiens sont super dangereux. Tandis qu'on me tire dessus. Ouais, du tir laser, bien sûr. Ça n'est pas dangereux. Non. Ça n'est pas comme le Taz. Ah. Faut pas confondre laser et taser, Jacques. Hein. Le taser. Oh là 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 là. Ce tir dangereux là de l'Ukrainien du Nord. Check on off. Qui a tenté le coup. La reprise de voler. Ouf, il est barré. Jean-Louis, ça passe où ça? Ça passe où, Jean-Louis? Alors, tu filmes comme un seul. On vous tire dessus aussi, Jackie. Merci de vous mettre le gilet pare-balles. Du côté français, on n'a pas mis le gilet pare-ballon, par contre. Hein, alors, vous arrêtez la machine maintenant, hein, ça vaut cher, ces fonds sonores là. C'est jingle à la Boris Chevalier. Vous m'arrêtez ça immédiatement, j'en ai assez de cet entouin autour de nous. Je voudrais quelque chose de plus naturel. Merci. Ah, même le signal est en grève. Alors, oh oui, il l'avait fait. Il me semble qu'il était passé, il aurait pu bénéficier d'un coup franc. L'arbitre ne semble pas le dire. Baby Doll était pris dans le mouvement. C'est bien fait, c'est là qu'il est parti. Et là, oh. Oui, magnifique image de Jean-Loup. Le remplaçant est là, prêt à tout pour remonter le score, on va dire, à 2-2. C'est pas si mal pour les deux équipes. Ukraine-France 2-2. Alors lui, il manque plus qu'il se marque un but contre son camp, le portier là, et puis c'est gagné, quoi, je veux dire. Ah, le train va partir, les amis. Le train à destination de Sportaz 670 va fermer ses portes. Attention, départ imminent et loyer. On va en dériquer.
Thank you. 52 minutes de jeu, autrement dit, ça a été très vite encore. Et le ballon est là, récupéré par les joueurs français. French people. Ah, heureusement qu'on a de la neige quand même sur l'écran, parce que sinon, je ne croirais jamais qu'on est en Ukraine. French team again. Les tours opératoires doivent être terriblement déçus qu'ils nous croient. Just purse. Il va centrer. Jacques ne commence pas le même match que moi. Oh, il va être dedans. Oh, sinon, il a loupé le control, parce que je crois que sinon, il pouvait faire autre chose. Oh là là, il lui a tout pété le maléo. Il lui a tout cassé dans le gibol. Oh, Sydney, qu'as-tu fait? Voilà, carton jaune assuré pour de longues années. C'est la CGT enfin, qui lui donne ce carton jaune, Jacques, pour avoir travaillé pendant les heures de grève. Merci, Jacques. Ouais, vous en prie. C'était les informations supplémentaires. Il n'y aura pas de train jusqu'à un nouvel ordre. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça ne va pas. Viens nous excuser, ce casting n'aurait jamais dû avoir lieu en direct. Reprenons le cours de l'émission, merci. On dirait que c'est de la boucherie. L'escalopole. Tout de suite, préparation du rôti pour dimanche. Bien cuit. Oh non, il va être bon, hein. Le ballon était dans les pieds français. Les Français, un peu déconfits de s'être fait remonter par un terrible coup du sort. Comment allait-il réagir? Comment allait-il s'y prendre? Qu'allait-il faire finalement? Et pourquoi toutes ces questions quand il suffit de regarder la télévision en écoutant Sportaz? C'est magique. Oh non, monsieur, excusez-nous. Oh, il faut nettoyer. Ouais, on revoit cette frappe, c'est cette frappe morte. Ouais, lourde. Ça fait vomir. Lourde, très lourde. Ah, il y a de quoi. Il y a de quoi, merci Jean-Louis, ce ralenti nous a régalé. Je sais pas si c'est vraiment le mot. J'ai le ventre un peu secoué, voilà. Tout le monde gère, tu veux dire. Oh, ça va finir comme ça. Amenez-moi la bassine. Tandis que l'Ukraine attaque sur le côté gauche, ils vont pas quand même essayer de nous battre parce que c'était terrible. Sur la gauche avec Goshoff. El Goshoff qui a tenté de transmettre au centre. Mais le ballon est récupéré par Ribéryx. Qui arme bien, qui trouve un copain. Mais qui vont. Ils perdent pas la balle. Avec un petit peu de chance, un petit peu de talent et plein de volonté, il continue de s'enfoncer. Ouais, Ribéryx, la gâchette, c'est bon, c'est ce centre. La gâchette. Il l'a gâché, tu veux dire. Pardon. Ah, le moment dans les pieds de l'équipe de France qui se reprend tout de suite avec derrière moi l'accompagnement sonore qui a été fabriqué par Gustave Montigour et qui est inventé sur les DVD. C'est la minute contre la France. Merci. Merci messieurs, je suis content d'être avec vous ce soir, d'être venu ici à Kiev. Je découvre une nouvelle culture, je découvre bien évidemment une nouvelle cuisine. Et ce soir, je vais vous parler d'un plat typiquement ukrainien. Ouais. J'en reviens tout de suite. Le plat, oui. C'est le plat du pied. Oui. C'est au niveau du dialogue que parfois c'est plat avec vous. Jacky, merci. Pourquoi vous dites merci? Attention à ce coup franc français. Ah, la France à l'occasion, alors qu'on a fait rentrer Michel Platini pour tirer la gonfle. Ah, ça va être bon. Remember Michel, Naples 2002. Tu avais loupé le train, mais t'en avais mis deux. Ah, encore une vieille bande magnétique, le Guinécon. Avec ce coup franc dangereux. Zou non plus. C'est Sir Henry, hein, c'est Sir Henry qui va s'y coller. Sir Henry First, devenu El Mago. Avec un superbe coup franc qui, je ne vois pas où est passé le ballon. Visiblement, le ballon reculé, tout le monde revient en arrière. Non, l'équipe de France aura la gonfle. Non, ce sont les Ukrainiens. Trump for France. Oh oui, c'est tout 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 et tout 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 tout
C'était vraiment exceptionnel. Souviens-toi. Tu marquas. Il marqua. Vous marquâtes. J'ai quelques images jaunies dans ma tête. Oh là là là. Oh là là, pendant ce temps-là, il y a un ralenti. Arrêtez la phase B, là. C'est terrible. Merci, messieurs, d'avoir essayé d'égayer cette partie. Bravo. Une chocolatine. Accident de voiture, je peux éviter. Touche pour l'Ukraine. S'il vous plaît, asseyez-vous, s'il vous plaît, madame, je ne vois plus du tout. Attendez, attendons. Touche pour l'Ukraine. Ok, accrochons. Allons, les studios. J'arrive, laissez-nous quelques instants, s'il vous plaît. Deux dans cette partie. Et curieusement, Jacques, quand on regarde ce qui se passe sur la pelouse, jamais on penserait qu'il y a eu 4 buts dans ce match, hein, parce qu'il y a quand même, de la mollesse. Il y a terriblement de mollesse dans cette partie. Je vous crois. Et c'est toute la différence, d'ailleurs, hein, entre le rugby et le foot. Hein. Il y a beaucoup de mollesse dans le foot qu'il n'y a pratiquement jamais dans le rugby, où ils sont quasiment tout le temps à fond. Le ballon est là-bas, sur le côté. Impitoyablement, l'Ukrainien pénètre dans le camp français. Mais il recule, porté par le maréchal Joffre. La formation française repousse l'assaillant hors de la ligne. C'est vous qui le dites. Bon. Pour l'instant, les deux équipes sont correctes. C'est quoi cette publicité? Elles ne sont qu'au foot, si je puis dire, parce qu'il y a tellement d'agrégats supplémentaires fournis autour du sport professionnel aujourd'hui qui est gangréné par les affaires, comme on dit dans le jargon journalistique depuis 32 ans et demi. Guy Gangrène. Le dopage, bien sûr. Oui, Jacques, merci pour le dopage. C'est ainsi que nous finirons ce débat. Merci, Jacques, de nous avoir parfaitement éclairé sur la situation du moment dans le sport. Merci d'avoir rempli ce rôle que vous tenez parfaitement depuis maintenant 670 émissions. On écoute un jingle sportaz finlandais. Sheila played hard to get. No time for guys, she said. C'est une tentative tentative ukrainienne. La défense française veille, mais elle n'a même pas besoin de veiller tellement l'offensive ukrainienne était petite, était frileuse, était timide, était pourrie. Merci, monsieur. Oui, vous pouvez passer aussi, hein, envoyer votre message 05 61 21 64 05 si quelque chose ne va pas. Non, ça vous avez RMC Sud Radio. Non, appelez-nous si ça va, si vous êtes bien, si vous êtes heureux. Parlez-nous de bonheur, même s'il est tard. Je vous en prie. Il n'y a qu'un prix, 05 61 21 64 05. Sait-on jamais, on aura peut-être quelque chose à se dire. Alors là, le ballon est ukrainien, c'est ça Jacques, 60 minutes de jeu, nous venons d'atteindre l'heure de jeu. Champagne. Je le confirme. Il faudra finir ce match. Proprement. Tu sais que si ça finit à 2-2, ils sont capables de nous faire des prolongations? Non, je ne le crois pas. Comment, tu ne connais pas la UEFA? Parce que là, c'est pas la FIFA, là. C'est une forfaiture. Ah, c'est Michel, là. C'est Miguel. C'est la compétition de Miguel, de Michele Platini, que c'est la sienne, c'est l'Euro. C'est donc l'UEFA qui dirige et qui gouverne. Ta gueule. Aïe, on râle. C'est le coup de gong qui est parti un peu tôt, visiblement. Oui. On va regarder ce qui s'est passé, Jean-Louis. Est-ce qu'on peut? Non, même non, pas de ralentir. Jean-Louis, on a plus le temps, d'accord. D'accord, alors ça joue. Ça le joue. Matériel à froid. French team on the people away. Oui. Comment vous dites away? Voyons, reprononcez-moi. Away. Away. Oh, c'est un accent gallois particulièrement sérieux. Là, le danger est derrière cette usine. Le danger, c'est la SNPE. Ah, les Landes nous parlent. Avec un ballon dégagé vers Samy Frey qui arrête sa carrière après ce match, qui va se lancer, Jacques, me semble-t-il. Ouais, sur les planches, et il va faire du surf. Dégagement ukrainien, ce serait une touche pour les tricolores. Jusqu'ici, tout va à peu près bien. Il y a égalité de partout. C'est marqué sur le maillot. Je le profite. Je le prends, ce phrase. Et là, elle est là pour le tricolore. Allez, on enflamme ce match, les amis. Allez, le petit... Ça, l'équipe, c'est une plaisanterie, monsieur. Eh bien, alors, si c'est une plaisanterie, continuons jusqu'au bout. Ça coince. Ça coince. Autant s'en servir. Absolument, madame, mais c'est pour ça que je vous la sors. Ah, Jackie, ah, quel sens de la répartie. C'est quand même extraordinaire. De la partie. De la les parties.
Et c'est l'Ukraine qui attaque, qui va peut-être obtenir, oui, car il n'ira pas, il est fatigué, c'est un match amical. Ce sera un corner. Ouh, Ukraine. C'est bien. Comment tu dis? C'est bien. Mais c'est bien. Ukraine, c'est bien. Merci, Jacques. Yak, rak. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour chanter? Voilà, même la tribune est jaune. Même la tribune est jaune, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Ce fond, oui, ce vide, ce vide dans les tribunes. D'accord. Le vide fait peur, hein, c'est vrai. Effectivement, c'est un peu stressant, anxiogène. Oui. Nerveux. Il y a des mots qu'il fallait pas. Ça y est, t'as déclenché le truc. Ça y est, ça fait peur. Bumper. Oh là là, oui, oui, du coup, Sammy Frey, il est plus du tout sûr de ses sorties, ni de ses rentrées d'ailleurs. Merci. Vous m'arrêtez la machine ou c'est la traduction? J'ai gagné 120, jackpot. C'est la traduction. Remontée ukrainienne avec le capitaine ou le joueur emblématique de cette formation, Chakanov. Ah, rappelons que l'équipe de France est qualifiée bel et bien, même si elle peut peut-être finir première du groupe. Alors je crois que c'est une importance en fait, Jacques. Oui. Je ne sais pas s'il n'y aura pas, tu vois, s'il n'y a pas histoire de chapeau de tout comme ça dans le tirage au sort, tout ça. Ah ben alors. Nous ne croyons qu'au sort. Si nous ne croyons qu'au sort. On sort. Une fois que j'ai des infos. Le ballon, on n'ira pas en sortie de but. Il est bien sorti par Oh Thuram, me semble-t-il. Est-ce lui, Jean-Louis? Jean-Louis filme au plus serré. Jean-Louis, merde, Jean-Louis. Ok, c'est noté. Gros plan Jean-Louis sur Sydney. On revoit Sydney au un, débuteur magnifique. Combien magnifique. Non. On dit un débutant, Jacques. On ne dit pas un débuteur. Je note. Là, c'est là pour l'équipe de France. Est-ce que vous entendez derrière nous, c'est la préparation. Bien sûr, un remplaçant fort va pouvoir rentrer. Yvan Regrof. Il est déjà sur la pelouse, Yvan Regrof. Regrof. Ah, pardon. Le ballon est ukrainien, oui, non. C'est la copie générique. Hein, de France, il le récupère superbe avec Making of qui contrôle, met le ballon en touche. Ouais. Ce sera tranquille pour Ukrainien. Ukrainien, mi amor, longue, transmet minablement le ballon. Et que c'est l'équipe de France qui peut se relancer avec Zizou. Zizou qui s'en pointe à Pertun. Si, c'est à Trouvat. À Trouvat. Cherchez Stop Irak. Ouais, Stop Irak. Vieux joueur qui joue encore. Hein. Jackpot. Ah oui, qui joue. Qu'est-ce que vous avez derrière? Vous jouez à quoi, Jacques là? Au quoi, poker d'as. Ah ouais. Et vous gagnez? Bon, ça part, c'est pas mal. D'après les sons, c'est pas mal, hein? Ouais. C'est quoi? Oh, oui, total. Brûlant. Avec ce ballon pour. Jean Guitoff. Oh la tête, oh. Il la laisse, il a gêné son partenaire en s'élançant lui de derrière. Dimitri Selektov. Laisse-moi finir mon poème. Ah oh, non, il s'est déchiré. Ouais. Oh, il s'est quand même déchiré seul. Seul et uniquement. Donc il ne peut s'en prendre qu'à lui. Ouh. Oh là là, le nageur est prêt. Ouais. Faire le record. Il est en maillot dessous là. Parce que là, ils sont deux, seuls et sombres, dans le froid ukrainien, à attendre le bus qui jamais ne vient. Ah, quel poète, c'est ça, magnifique. Ouais. Poursuivez David. Poursuivez David. Oh, super bumper. Ah ouais, Jacques, t'as l'extra boule. Ah, oh, Jacques, magnifique, l'extra boule. Madame. Ah, j'ai abonné, sans plus. Apprécié. Le ballon est dans les pieds ukrainiens, je dis ça pour la personne qui suit, qui vient de nous envoyer un texto, pour nous signaler qu'elle aimait beaucoup cette émission. Et il y a toujours deux, hein. C'est cela. Oui, c'est cela, Jacques. C'est cela. Absolutely. Ukraine, France, 2-2. Oui, c'est bien. Ah, oh, la faute française. Restons intervention de monsieur. Ouais. Transport en commun, qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh là là, c'est plein. Eh oui, oui, le bus n'est pas arrivé. Oh, merde. Que réclame-t-il? Plus un penalty? Il veut dire que Old Thuram espose qu'une tinte. Qu'a-t-il fait réellement, Jacques? Je ne sais pas, on vérifie. Il s'est passé effectivement C'est un ramasse à le vieux là quand même, hein, ce soir. Une rencontre hein, entre Tibia. TBA. Et la défense française entre le goalkeeper qui fait peur et puis le défenseur qui est défenseur, c'est pas terrible. Hein. Et le résultat, Jackie, de votre analyse, c'est qu'il y a deux buts déjà encaissés. Et un troisième qui arrive, d'après les sons dont nous disposons. Hein, oh.
Non, ça n'est pas fini. Si, si, là, ça y est, Jacques. Hein. Ah, vous, pardon. C'est vrai qu'avec les images, c'est dur, mais quand même. Non, je parlais de ma partie. Excuse-moi. Nous renvoyons ça au Ralangui. Celui-là, j'aime bien. Lui, je l'aime moins. Dégagement en 67 maintenant, 67, 11, 12, 13. C'est mieux, je t'écoute. 14, 16. Au feu, ça va être long, hein. Affolant, hein. Enfulant. Ah, c'est lent et affolant. Allô, Jacques. C'est, on, ça peut l'être. Jacques, j'attire votre attention sur un fait bien précis. Plaît-il ? Cette fois, est-ce que vous me recevez là ? Parce que j'ai l'impression que vous ne me recevez plus. Plaît-il ? Est-ce que je suis en liaison numérique, s'il vous plaît ? 120 000 euros à gagner. Vous me cassez. Le jackpot. Le ballon était remonté par Simon Boff pour l'Ukraine. Tout se passait magnifiquement sur la 12 et la pelouse. Je vais rentrer moi aussi bientôt. Ah, mais pour je rêve, oui. C'est pas possible. Si, madame, si, si, c'est possible. Alors que là, on joue couché maintenant, oui, sur cette pelouse. Il est encore possible de rêver. Le sans rêve est gratuit. Rêvez encore et encore. Personne ne peut le surveiller, votre rêve. Profitez-en. Vivez en rêvant, sans rien devoir à personne. Seul. Rêvez. Goal. Rêvez d'un but. Ayez un but. Alors, bonne nuit. Tout arrive. Une fois de plus, la défense française avait complètement lâché. Et si le joueur était moins nul à chier au lieu de faire une épaule, s'il avait fait une tête, eh bien, il y avait but. Nous reprenons le cours. C'est à vous. C'est magnifique. Merci. Merci, autant. Merci. Ah, oh, quelle ambiance ici, quelle ambiance. D'un seul coup, tout est tombé. Une réalisation de Jean-Michel Jankowski avec l'Orchestre National du Pérou. Oui. Bien évidemment. Direction de Jean-Philippe Berzanski. Radio Ukraine, il est 22h05. Bon. C'est magnifique. Merci madame, c'était donc un décrochage en direct de Kiev avec un coup franc pour l'équipe de France après un coup franc dangereux pour les Ukrainiens. C'est cette fois-ci les tricolores qui se retrouvaient dans la surface de réparation, mais non. Non. Le camp du possible est-il bleu, est-il jaune? Que reste-t-il à jouer, oh mon amour du foot? Oh Jacques, oh tu as dit le mot. Oh c'est magnifique. C'est magnifique. Oh c'est magnifique. Ah, merci madame. Avec le ballon ukrainien maintenant, un troisième but se prépare. Cette musique n'est pas anodine. Non. Non, 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 non. Cette musique annonce quelque chose. C'est magnifique. De grand. De magnifique. Le ballon était remonté difficilement par les Ukrainiens, mais souvent dans la difficulté se crée la différence. Comme ici, par exemple, où il est rattrapé, où il est interpellé. L'exploit se crée dans le secret du joueur en interne. C'est magnifique. C'est vrai, on revoit ce superbe coup franc pour l'équipe d'Ukraine, un coup franc assez sympathiquement placé qui peut représenter un danger pour un gardien devenu fébrile. Oui. C'est frais aussi, faut le dire, Samy, ne me contredis pas. C'est magnifique. C'est pas vrai, c'est plus fébrile, hein, c'est fébribille. C'est les phases B aussi. Attention à ce coup franc. Soyez vigilants, serrez les fesses. Oui. Bien sûr. Ah. Serrez les rangs côté français pour ce coup franc ukrainien. Il est pas bien du tout. Mm-hmm. Il est tout à l'envers dans son tête. Ça va mal. Un petit peu. Bon, il fait un dégagement du point avec les deux mains. Oui, c'est magnifique. Ah non, là, la note artistique est dégueulasse. Non, c'est sûr. Là, vous dites c'est magnifique, vous êtes complètement con, madame. Merci, Jacques. Ouh, très beau contrôle à l'intérieur du pied de l'Ukrainien. C'était joli, hein, Jacques. Très bien. Tu vois, moi, c'est j'aime bien la base du foot, finalement. Ah. Quelques gestes techniques, quand même, pour taquiner le ballon. Hein, tu et l'adversaire, bien sûr. C'est magnifique. Nous allons revenir à ce qui nous intéresse depuis le départ, c'est-à-dire le jingle. Nous passons sous
tous ensemble. Si, si, je l'annonce à la direction des programmes. Je transmets le code H88764 pour un jingle, s'il vous plaît, la direction. C'est pas possible, ils sont en grève. Ah, bon, ne les dérangez pas. On va attendre un but et puis ensuite on s'y mettra. Ça marche, d'accord, d'accord. Ah non, j'ai trop mal à la tête. Sportas. Mortel. Paracétamol. Veuillez nous excuser. Il y a eu une petite interruption des programmes. Le ballon est récupéré par l'équipe de France. Allez, on respire un petit coup là et on va essayer de centrer rapidement. On respire. Yeah, c'est un bon centre, il est légèrement dévié, le frappe, goal, pas goal. Ouh, c'était chaud. Belle petite frappe. Ça passe juste à côté du but ukrainien, ça ne fait pas gore. Ouais, notez bien, l'arbitre très bien placé, se tire un petit peu moins, mais magnifique. Il se couche parfaitement pour éviter que le ballon ne se lève. C'est magistralement exécuté, c'est monsieur Claude qui avait fait ça, semble-t-il. Toute la virtuosité, toute la dextérité d'un vieux du foot. Le ballon est bien négocié par l'équipe de France, avec magnifique débordement. Et je pense que ce sera un corner pour le tricolore. Corner ici à Kiev, une occasion supplémentaire pour les Bleus d'aller inscrire un troisième but. Ils sont pour l'instant à égalité de partout avec des Ukrainiens fous et féroces à la fois. Tout simplement. C'est qui fait. Et c'est bien fait. Pas mal. Excusez-moi, mais ça caille grave. Glace de boule. Et moi une glace note. Warnost, une tête qui passe au-dessus, il y aurait eu des occasions quand même, il y aurait eu des possibilités de marquer. Ils se sont régalés, ils se sont amusés, les joueurs ukrainiens et les joueurs français. Oui. C'est confirmé, ce tir le sera peut-être tout à l'heure. Encore des actions, allez, un quart d'heure à jouer on va dire. Combien t'es dit ? Oh, je ne sais plus. Un quart d'heure, tu as bien vu. Ça passe vite, il est à peine 10h10, nous avons déjà la fin du truc, mais qu'est-ce qu'on va faire après Jacques ? On va qu'une banque. Complètement taré. Madame, vous me laissez la place. Oui. Non, laissez-moi un peu quand même, un peu de place. Madame, vous voyez bien qu'on est en direct. Hein. Mais non, c'est madame, ce n'est pas du différé. Mais si, c'est du direct, madame. Allons, on reste sérieux. Ce tir encore. Jean-Louis, tu me passes ralenti gros plan cette fois-ci parce que Borgoff, j'étais un peu ailleurs. Bien Borgoff là, avec un beau ralenti, bien châtrillé. Et on a rendu, si tu veux, la monnaie du tir français, du côté ukrainien. On sait nous aussi tirer à côté des buts sans aucun problème. Donc c'est pas la peine d'essayer de nous impressionner avec des tirs foireux. On est capable d'en faire autant. Nous pénétrons salement. Alors je vais vous demander d'essuyer vos pieds. C'est un sujet qui nous concerne tous. Oui, absolument. Quand on rentre dans le dernier quart d'heure, on essuie ses pieds avant de tout saloper, vous comprenez ? C'est terrible ! Eh oui ! Merci Jackie, ça c'est du message dans ce portage. À votre santé. Pendant qu'on y est, puisqu'on a un petit peu de temps pour en parler, Jacques, quelle est la suite de la saison Sportage ? Attention à la transversale là. Alors peut-être le tournoi destination, si nous débloquons la quantité de t-shirts nécessaires donc sur le campus toulouse.net. Voilà, si au plus, au mieux, et au moins comme vous voulez, mais dès le mois de juin, nous serons présents bien sûr pour l'Euro 2008 en Autriche et en Suisse, avec bien sûr la participation de 7 équipes de France pour 3 matchs, bien sûr, du premier tour, bien sûr, et bien sûr. Oui, nous ferons l'Euro et nous irons nous coucher. Voilà, et sûrement avec de belles retrouvailles avec nos partenaires, bien sûr, la médiathèque associative, bien sûr, bien le sûr. Théâtre du Pont-Neuf, que nous saluons. Et bien sûr, ombilical.org et bien sûr, tous les autres. Avec les Russes, les Ukrainiens, redonnent un petit peu d'ardeur dans cette partie. Le côté gauche, un centre au deuxième poteau. Ce n'est même plus du deuxième poteau. Trop fort off. Oui, c'est prêt pour Fortov. Poteau fort. Ouais, je signale à madame, effectivement, que son petit manteau de vison est absolument saillant. Bonsoir. Bonsoir, le Grand Carrefour, c'est au fond à droite, c'est à 22h30 sur Campus 94 FM. Le magasin n'est pas ouvert, monsieur. Tic.
Dégagement de... Ça va pas tarder. Hein. Raymond, tête d'Henri, récupération d'Igor, transmission Vladimir. Quelle vigueur. Vladimir en cherche Andrei. Et... Oh là là, il est mal positionnato. Et qui renvoie la balle immédiatement sur les Nukanien. Si jamais celui-ci passe et tire, c'est non, terrible. Non, pas oh but. Là, je crois que Sammy Frey est en train de passer la soirée le plus pourrie de toute son vie. Ah, tu en as de bonnes. Oui, tu veux les voir. Lui, elle est mauvaise. Non, Jacques. Tout est prêt pour la sortie. Oui, je vais y aller. Je suis éjecté. Lico presto. Attenzione, balla para Ucrania. Por favor. Que recular. Que transmission. On recule. On recule. Miracle. Mais non, ne rigolez pas, madame, quand on n'a rien dit de rigolo. Non, c'est nul. C'est nul. Arrêtez. Soyons sérieux, 5 secondes. Ah, c'est jeune. Oh, ça rit de tout. Oui, mais c'est le bel âge. Profitons. Profitez. Ça rit fifi, des fois. Tant qu'ils l'ont, on peut. Le ballon va être dégagé par Sammy Frey qui va glisser, se retourner, ouais. Marquer contre son camp. Oui, il ne glissait, hein. Il ne fait pas de l'escalade. Ce serait dur. Hein. Il dégage. Allez. Qu'est-ce que tu veux qu'il escalade sur la pelouse, Jacques ? Non, mais quand on dégage, c'est positif quand on le dit dans le foot, hein, mais quand on le dit dans la vraie vie, dégage, c'est pas terrible quand même. Pas bon là, signe, c'est pas hein. Très élégant, non. Voire c'est carrément très gland. Jean-Louis, le gros plan, ça suffit parce que je commence vraiment à avoir les yeux qui piquent. Est-ce que tu peux me trouver, Jean-Louis ? Un petit ralenti de 1983. Ça m'étonnerait quand même. On va surveiller ça de près, mais je pense pas qu'il puisse le trouver. Opération symbolique. Plusieurs manifestants ont bloqué les locaux de l'entreprise Filmagé à Garges. Ouais, trop vieille la bande, désolé. L'équipe de France, pas tout à fait trop vieille pour autant, même rajeunie, avec une moyenne d'âge qui se tient. Qui se tient secret. Il y a Old Thuram, il l'a fait monter la moyenne d'âge. Oui, Old Thuram. Oh là là, Ribéry. Ribéry, c'est sur le côté droit, une passe en rentrée sûrement. Mais non, il a voulu frapper. Oui, Ribéry, c'est Fuchs. Ouais, il fut contré par Gazoff. Comment ce soit pas une plage. Pipelineuf. Non, Pipelineuf. Pipinoff. Ça fait ça. Pipchoff, il joue Pipchoff. Le ballon récupéré par l'équipe de France à Garges-lès-Gonesse, me signale-t-on. Et ça, j'aimerais savoir comment on peut être en même temps à Garges-lès-Gonesse et sur le terrain à Kiev. Donc il y a quelqu'un qui ment ce soir sur cette antenne. Ballon transmis dans les grandes hauteurs avec Old Thuram qui veut faire voir à tout le monde. Il a encore de bonnes jambes, de bonnes sensations, mais il a quand même eu la responsabilité sur quelques foirages de la défense française. Tandis que le tricolore Maggi la gonfle et que la musique monte derrière, les petits fours sortent, les frigos s'ouvrent ici. Nous allons donc fêter bien évidemment la fin de ces éliminatoires, la fin des Sportages pour cette année 2007. Et qui sait ? La fin des ondes, la redistribution des fréquences des radios remet tout à plat, mais si tout va bien, bas plat. Oui. En juin prochain, toute Radio Campus, tout entière, tout à vous. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'on va vers la fin des libertés, là, quand même. Hein. C'est pas possible. Et pourtant, madame, c'est ce qui se passe. Ça se resserre, va falloir continuer à serrer les fesses et peut-être serrer les poings. L'étoile se resserre. On applaudit du côté ukrainien, on s'applaudit, et bien j'en profite pour nous applaudir nous aussi d'ailleurs. Ah, c'est pas possible. En fait, avant qu'on oublie, je tiens à vous souhaiter joyeux Noël aussi. Restons-en là, hein, si tu veux. Rentrez, changement du côté, c'est magnifique ce changement. C'est un changement vicelard de la part des Ukrainiens. Un changement qui va complètement modifier la physionomie de cette partie. Oui, pratiquement génétique. Ah oui, c'est un OGM, hein, qui vient d'entrer, c'est un joueur génétiquement modifié. Vous allez voir ce que ça donne sur la pelouse. Le voici, il est complètement fou. Ouf, ouais, ça commence, il fournit l'occasion aux Français hein. De récupérer ce ballon. Ouf. Il voit pas tout. Hein. Non, je ne vois pas tout. Ce sera donc une petite occasion supplémentaire pour le tricolore d'aller taquiner le filet, d'aller tripoter le poteau. Mm-hmm.
Là, les tripotos, le dégagement est parfait de la part des Ukrainiens. Relativement, oui. Sans affolement, on remonte joliment le ballon vers le rond central, mais là, on se déchire. Et tout de suite, la petite musique de notre jeu. Les indications arrivent. Hein. Enfin, les fabriquer, pour rien vous cacher. Parce que vous y croyez. Pas du tout. On se fait la bise. Ah non, non, attendez un peu quand même. Je connais pas. Bon, pour le jeu, les gars, il va falloir... Si, il va falloir trouver quelque chose. Est-ce que t'as une idée, Jacques, une idée de jeu? Non, ça non. Ça, on peut pas, là. Merci, Jacques. On va essayer de tourner. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée pour un jeu, là? Parce qu'on cherche quand même à... Non, c'est pas très grave. Jeu, on va pas s'amuser toute la vie si on n'a pas l'esprit jeu. Et ils sont censés l'avoir, là, sur tous ces terrains de foot, sur tous ces terrains de sport, normalement, où on fait honneur au corps, on fait honneur à l'esprit. Oui, et oui, pas oui. À l'industrie pharmaceutique, et pas à l'industrie des médias, et du dopage, et bien sûr de tout le reste, si sombre et si tabou dans le sport. Ah, c'est beau ce que tu dis. Ah, je vote pour toi. Tandis qu'elle passe maintenant pour récupérer du pognon. Oui, Papa Noël qui fait la route. T'es obligé d'être sponsorisé, Papa Noël, maintenant, pour faire sa tournée. Faut que ça soit rentable. On peut pas donner des cadeaux quand même aux gens gratos. Quand même payer. Donc le gars, il est obligé de bosser toute l'année, travailler plus, gagner plus, bien sûr. C'est valable aussi pour le Père Noël. Ah oui, il n'y a pas de cadeau. Ah, ce match est sublime. Ce match est somptueux, majestueux, dirais-je. C'est un match qui marquera le football moderne par son ennui prodigieux. Ah non, j'ai trop mal à la tête. Ah, ça, je comprends, madame. Comment y a-t-il pu y avoir 4 buts dans ce match? Je ne sais pas, il y a toujours 2 dans tout cas. Et Sidney, entre deux, lui aussi, également très très vif sur le côté droit, qui a marqué un magnifique but. Avons-nous rêvé, Jacques? À un moment, oui. Avons-nous rêvé? Ouais, ouais. Le ballon est sorti magistralement. Ouais, les Ukrainiens, pour sortir la balle d'un petit périmètre, ils sont quand même assez doués. Alors quand le Thuram le fait courir jusqu'à la mort, jusqu'au caveau, ils vont le faire courir comme ça, le Thuram. Ouais. Ils vont le sécher. Très très bien, on joue depuis 84 minutes et 11 secondes. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. C'est à vous, 2-2. Ah, oh, c'est bon. Est-ce que je vous garde un peu de Kouglof, Jacques? Est-ce que je vous mets un morceau? Oui, allez-y, de oui, c'est bien. Bon, hein, un smash avec. Un smash numérique, bien sûr. Hein. Puis une match d'heure au dessert. J'ai pas bien compris le dessert, excuse-moi, j'ai pas pu noter. Qu'est-ce que tu prends? Une match d'heure. Et voilà, encore un changement du côté ukrainien, on fait sortir Katoganov. Oh ouais, en Mouchov. Hein. C'est Mr. Mouchov. Et on fait rentrer tout simplement un superbe acteur, un acteur de western ukrainien, dont on écoute effectivement la bande originale du dernier film. Ah ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! T'es sûr que c'est une musique de western? Ouais, c'est un western coquin. Ah ouais. Oh là là. Il y a deux là là, tu vois. Oh là là. Je pense que nous allons finir tendrement ce match. Oh là là. Oh, 2-2. Oh là là. Ça monte. De vous à nous, il n'y a de deux. Oh là là. Ballon dans les pieds de la touche, avant que les joueurs ne filent à la douche. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! 5 minutes à jouer, de jeu de deux. Absolument, Jacques. Mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Ballon récupéré dans la peur. Fièrement quand même. Oh non, 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 dans la peur et la tourmente. Voir le tourment pour Sammy Frey, protégé par Old Thuram, qui jouera jusqu'en 2030. Oh là là. Merci madame, après ces magnifiques oh là là, eh bien nous allons trouver un nouveau mot. On va essayer. Car oh là là, c'est magnifique, ça va bien ensemble.
Est-ce un mot? Ça, c'est plus dur. Ah, c'est peut-être ce nouveau jeu. On vous envoie un son et vous nous dites ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce changement-là qu'on va nous faire à 3 à 4 minutes de la fin? Changement de son. Tout de suite, on nous change la bande sonore, visiblement. Est-ce qu'on peut retrouver la bande sonore initiale? Jean-Louis, tu préviens. Est-ce que les travaux ont commencé, Jean-Louis? Jean-Louis, est-ce que sur la départementale sonore... Jean-Louis, je te parle, bordel! Mais Jean-Louis, c'est pas fini encore! Attends, on va regarder la musique! 3 minutes à jouer, Jean-Louis. Il faut revenir. Reviens. Arrête la musique, Jean-Louis, merde. Finissons ce match. Finissons-le proprement. C'est le dernier de la saison, les gars. Soyez bien, soyez bons, soyez à fond. Ah, oh, je sais, c'est dur, c'est terrible. Vous avez raison, madame. C'est affolant, hein. Oh là là. Le ballon est dans les pieds ukrainiens avec Semon Bof, qui cherchait Making of. Et c'est reparti pour la musique, je pense qu'elle vient effectivement. Je vais céder. Et moi aussi, je rejoins le dance floor. Radio Campus. Oh. Hey. Radio, are you ready? Oh, radio confused. Are you ready, radio? Radio confused, are you ready? Oh, you say what? See you. Deux entre la France et l'Ukraine ici à Kiev dans une ambiance de rêve. Stade. Excellent. C'est vous qui le dites. Changement. Allez, ouais, une petite douceur là. Une petite douceur pour la fin. Oui, ouais. C'est vrai, Jacques, hein, ça fait un peu. Ouais. Petit chocolat là. Du café. Le petit chocolat du café pour finir, vraiment. Petite after-rate. Tranquille, les gars. Au contraire. Allez, on va se faire plaisir. Eh bien oui, nous allons pénétrer, alors profitez-en à fond les amis, hein, car nous allons entrer dans la dernière minute. Et peut-être ne nous entendrez-vous plus jamais. Oui. Alors profitez de cette dernière minute, c'est peut-être la dernière de Sportaz. Une émission qui restera de toute façon, bien évidemment. Dans les mémoires. Dans les mémoires de ceux qui l'ont entendu, et même de ceux qui ne l'auront jamais écouté. Oh, merci encore. Nous sommes dans la dernière minute de Sportaz, je pense que je vais pleurer. C'est terrible, c'est un moment terrible que nous vivons seuls. Allez, on va voir. Continue, je t'écoute. Ouais, et puis cette musique me fout le corps. Ah, 2-2, exactement. C'est un score super sympa. La balance commerciale est à 0. On en a mis 2, on en a pris 2. Ils sont à peu près au même prix, les buts ukrainiens et les buts français, même si là, les Ukrainiens tentent d'aller nous faire le dernier petit coup de Saint-Barre, mais avec un baratème. On va sur la balle magistralement, merci. Persuasion consists in getting the consent of another man's will to the action you wish of him. Bien évidemment. The way to his will is his desire. Merci. It's the end of the evaluation and to organize your persuasion around his ambitions, not your own. Merci, monsieur. Merci. Merci de votre intervention. Merci d'être venu nous dire au revoir. Ouais, merci. Merci d'être venu nous dire à bientôt peut-être, bonne année ou salut tout simplement. Vous étiez nombreux ce soir dans les studios et vous pouvez vous applaudir. Merci. Ainsi donc va s'achever ce match avec un ultime changement qui ne sert plus à rien, qui est complètement ridicule. Un changement de con. Un changement d'âne. Autant s'en servir. Eh oui. Ouais, du cerveau, et surtout, c'est ça qu'on essaie de se servir le plus, ce qui est peut-être le plus difficile à se servir, et qu'il n'y a pas de permis pour penser de l'utilisation du cerveau. On n'en lâche pas des points, quoique à une époque, on enlevait des choses dans le cerveau. Quand on était un peu dingue. Toujours 2-2, c'est un peu dingue que cette équipe de France qui vient obtenir un match nul tout de même en fin des qualificatifs pour l'Euro. Enfin. Ah, bien évidemment, vous auriez préféré faire autre chose que regarder ce match, eh bien vous auriez dû, car c'est terminé entre la France et l'Ukraine. C'en est fini de ce Sportaz 670. Ouais. Et attention, car rien n'est écrit.
Merci madame, merci mademoiselle, merci monsieur et bonsoir à tous. On va laisser rapidement la place parce qu'après nous il y a... Voilà, oui. Là on laisse la publicité, le sponsor. N'oubliez pas le t-shirt Sparta sur campustoulouse.net et puis tout un tas de rendez-vous avec la grille de rentrée de Radio Campus également à votre service. C'était Sparta 670 avec un match nul entre l'Ukraine et l'équipe de France. De partout. C'était bien. C'était super bien, vraiment, j'adore le karting, c'est un petit sport sympa, tout le monde peut y participer, c'est pas trop cher, j'aime beaucoup le karting, c'est assez démocratique comme sport, et je trouve que les jeunes pourraient en profiter, devenir de grandes stars du karting, suffit d'avoir un bon entraîneur comme moi, pour les driver vers le futur, et vers les bonnes compétitions, avec une rentabilité maximum au niveau du pognon, et bien évidemment des sponsors qui suivent. On s'en va les gars, merci. Merci Dom, et bonjour à Nec. Eh bien, dis donc, c'était Sportaz. Eh bien, oui. Bonne année. Network Sportaz Corporation, thanks all of you. Seven seven nine nine four seven seven nine nine four. That was Spottles Production Incorporated with In Live. Au revoir.